Bonjour, aujourd'hui nous recevons Samuel et au travers de son témoignage, vous allez découvrir combien de fois Dieu est capable de sortir quelqu'un des ténèbres et de l'amener à la lumière. Lui qui était rappeur dans le monde, pour le monde, maintenant rap pour le Seigneur Jésus. Malgré la gloire qu'il avait, malgré toutes les personnes qui le connaissaient, il était brisé au-dedans de lui et Dieu est venu le chercher. Je vous invite à écouter son témoignage. Bienvenue dans Partage ton histoire. Bonjour Samuel. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Alors, tu as un témoignage à nous partager, mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter aux internautes pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Mm-hmm. Bah écoute, moi c'est Samuel, voilà, connu sous le nom de SKS, tant que rappeur. Aujourd'hui, je suis dans la foi, je sers le Seigneur. Et bah voilà, j'ai 23 ans, j'avais 24 ans, mm-hmm. 22 décembre. Oui. Et voilà, tout simplement, j'habite dans le 94. Val-de-Marne, ici. Val-de-Marne, c'est ça. Dans le Val-de-Marne. Et voilà, on a un jeune lambda parmi tant d'autres, okay. Et qui s'accroche au Seigneur. Bah, dis-nous un peu, alors, comment ton histoire commence? Comment mon histoire déjà, commence? Le contexte familial dans lequel tu as grandi, ouais. Etc. Comment mon histoire commence? Mon histoire commence à Montreuil dans le 93, mm-hmm. le 22 décembre 1997. je n'ai déjà prématuré, moi je n'ai à 6 mois et demi. Ah ouais? Ouais, je n'ai à 6 mois et demi, donc c'était compliqué. Ma mère même croyait que j'allais mourir. Mmh. Ouais, ma mère croyait que j'allais mourir. Et c'est même elle qui me raconte qu'à un moment même, j'étais comme mort dans ses bras. Wow. Et elle prie et elle entendait limite que mon cœur, je commençais à partir en fait. Mmh. Et elle a prié toute la nuit, etc. Elle a prié toute la nuit. Et le Seigneur a fait grâce. Bon, ça s'est bien passé aujourd'hui. Ah bah oui, tu es là. aujourd'hui, je suis là. Et donc oui, je suis venu dans tout cet engouement-là. 6 mois et demi, c'était compliqué. Ma mère, pour elle, pour ma mère même, c'est une grosse histoire. Oui, tu vois. Ouais. Quand elle m'en parle, pour elle, ça a vraiment fortifié sa foi. Mmh, c'est un miracle de Dieu. Exactement, c'est un miracle pour elle. Elle me voit aujourd'hui, elle se dit, mais... tu vois. C'est miraculé. Et ben, voilà, elle dit, c'est un miraculé. Moi, j'étais vraiment petit. J'imagine, vraiment petit. Mon père, quand il m'en parle, tu vois, il me dit, lui, quand il m'a vu, il a eu peur. Il me dit, quand il m'a vu, quand je suis né, il a eu peur et tout. Et voilà, donc moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Dans le contexte où, par la grâce de Dieu, ma famille est chrétienne. Mm-hmm. Ma famille est chrétienne. J'ai grandi dans une famille qui allait à l'église tous les dimanches. Mm-hmm. Voilà, on allait à l'église tous les dimanches et tout. On avait nos hauts, nos bas. On avait nos moments de joie, d'euphorie. Franchement, je bénis Dieu pour mon enfance. Hein. On a eu des parents qui nous ont aimés du mieux qu'ils pouvaient. Mm-hmm. Ils ont tout donné pour nous. Mm-hmm. Franchement, ils ont tout donné pour nous. Voilà, j'ai un petit frère et une grande sœur. Avec ma sœur, on est comme ça. Tu vois, donc elle a un an de plus que moi. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là, à Noisy-le-Sec, dans le 93. Mm-hmm. Puis après, j'ai déménagé à mes 15 ans. Opéré sur moi dans 94 où je suis actuellement. Donc, d'accord. Voilà, c'est ça le contexte un peu dans lequel j'ai grandi. Mais du coup, tes parents te donnaient tout, mais tu étais quand même un enfant triste. Ouais. Tu penses que ça venait d'où, en fait? Ouais. En fait, mes parents donnaient tout pour nous, mais tu vois, aujourd'hui, je comprends ça que, tu vois, à l'intérieur de l'homme, il y a des choses que l'homme fait et qu'il regrette en fonction de ce qui le pilote de l'intérieur, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai grandi dans un foyer où mes parents, ils ont donné tout l'amour qu'ils voulaient, mais entre eux, c'était conflictuel. Mmh. Tu vois, c'est... entre eux deux, c'était vraiment conflictuel. Ouais. Tu vois, moi, j'ai grandi dans un foyer où les violences conjugales, mmh. tout ça, tu vois. Donc, j'ai été exposé à ça très tôt, dès petit. Et ça marque Ça marque un enfant. Un enfant, certaines scènes que tu vois, mmh. ça choque ton cœur. Mmh. Mmh. Tu vois, ça scandalise ton âme. Mmh. Et ça fait que ça choque ton cœur. Et chaque événement douloureux qu'on vit dans la vie, et bah c'est là où le malin nous l'appelle ouais. le diable, ouais. C'est là où il s'en sort pour parler dans ta tête, etc. Et quand t'es pas, ça crée des blessures. Et quand t'es pas en crise, quand t'es pas à la lumière, tout se passe dans le silence. Ouais. Tu vois, tout se passe dans les ténèbres mmh, mmh. de ton cœur. Mmh. Et voilà, tu fais le fort devant tout le monde. Tu dis ah non, moi je suis comme ça, moi je suis un gars comme ça, oui, je suis un gars comme ça. Mmh. Mais au fond, tu sais pas que t'es juste brisé en fait, c'est tu vois. Ça. Tu sais pas que t'es juste brisé.
Et moi, c'était ça. Donc, j'étais triste par rapport à... je pourrais même pas dire pourquoi, en vrai, j'étais triste. Je pourrais pas dire pourquoi. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. Ça fait que ces genres de choses, quand tu vis dans un foyer où il y a des violences conjugales, bah, tu te sens rejeté déjà. Tu vois, un enfant, il se sent rejeté parce qu'il veut séparer ses parents. Ou il veut faire des trucs et on ne le voit pas. Il se dit, mais je suis là, ils font ça. Tu vois, moi, c'était comme ça. Je me dis, mais je suis là et vous faites ça. Vous m'aimez pas. C'est vrai. Et moi, j'avais ce langage-là. Tu vois, j'avais ce langage-là. Ouais, les parents, ils nous aiment pas ou quoi. Non, non. Tu vois, donc moi, je grandissais. J'ai grandi avec du rejet en moi. Et donc, ça a créé un manque d'amour. Tu vois, donc, tu te sens pas aimé. Même si ton père, il voudra faire. Il fait. Tu sais que lui. Enfin, mais tu te sens pas aimé. Tu vois, tu te sens pas aimé. Oui. Donc, ça conduit à des comportements, des attitudes. Bah, tu es une personne qui se sent pas aimée, où tu te dégrades toi déjà, tu dégrades les autres. Bon, après, voilà, ça t'as une mauvaise estime de toi-même. Exactement, exactement. Une mauvaise estime de toi. Donc, quand t'as une mauvaise estime de toi, bah, à l'âge de 13, 14 ans, tu connais vite le péché, quoi. Tu vois, on n'a pas besoin de t'encourager. Tu connais vite le péché, tu vois des filles. Comme t'as une mauvaise image de toi-même, il faut que tu prouves que t'es. Exactement, il faut que tu prouves que, tu vois, il faut que tu prouves. Et c'est très inconscient. Mais voilà, faut que tu prouves, faut que tu montres que t'es là, faut que tu montres que t'existes. Moi, j'étais comme ça. Tu vois, j'étais le genre de petit où faut que je montre que j'existe. Ouais. Faut que je montre que je suis là. Mais il y en a beaucoup comme ça, et beaucoup ils se rendent même pas compte. Ils sont dans le déni. En fait, ils refusent de voir la vérité en face et de se dire qu'ils ont besoin d'aide, en fait. Ils ont besoin du Seigneur dans leur vie. Ils sont là, ouais, non, mais moi, je suis quelqu'un. Ouais. Et non, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas accepter, en fait, au fond, qu'il y a des blessures, en fait. Exactement. Et c'est bien que tu parles d'accepter, parce qu'en vrai, c'est ça. Ils veulent pas accepter. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en vrai, il n'y a que Dieu qui te montre ça. Tu vois, il n'y a que... C'est pour ça qu'on l'appelle la lumière. Parce que quand il arrive, tu veux plus nier. Tu veux plus nier. Tout ce qui t'est caché est exposé maintenant. Ça. Tu veux plus nier, tu vois, Nico. Tu veux plus nier. Ah. Et là, tu m'as pleuré. Qu'est-ce que j'ai Moi qui sais le dur depuis là. Et là, tu commences à dire un petit truc dans la prière. Et donc, Seigneur, tu me dis... Je savais pas que ça me touchait autant. Ah, tu vois. Ah, tu vois. Et donc, moi, j'avais mis beaucoup de masques. Tu vois, beaucoup de masques. Un coup, je suis comme ça, un coup, je suis comme ça. Ouais. Et, chez moi, j'étais quelqu'un. Dehors, j'étais quelqu'un d'autre. Dehors, j'étais quelqu'un d'autre. Au lycée, je suis quelqu'un. Là-bas, je suis quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, mais je ne connaissais pas. En fait, toi-même, tu étais perdu. En fait, ta véritable identité même était noyée sous des fausses apparences. Où tu veux plaire à tout le monde t'aime. C'est ça. Mais au final, tu veux plaire à tout le monde. C'est ça. Tout le monde t'aime, c'est super. Waouh, ça c'est un gars, non, c'est un bon gars, non, et tout. Et après, bon, ça fait que moi, je suis venu rapidement, je suis devenu violent. Parce que aussi, j'ai grandi dans on parlait du contexte, j'ai grandi dans ce contexte-là, en 93. Tout le monde aussi connaît le rejet aussi, tu vois. Ouais. Donc on connaît. Vous êtes entre rejetés là-bas. On est entre rejetés, on est entre. Parce que c'est ça, tu sais, la plupart des gars qui grandissent en quartier, qui grandissent dans... Oui. En vrai, c'est le rejet, oui, la base. Ça, ouais, tu vois, c'est quand t'entends même les discours, ah ça c'est pas fait pour nous, vas-y, ils nous comprennent pas, ils vivent pas ce qu'on vit. Et moi, c'était trop mon discours. Ouais, attention, personne nous comprend, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, mais c'était juste le cri d'un enfant. Exactement. Qui, vous, vous savez pas ce qui se passe chez moi. C'est ça. Tu vois, moi, c'est ce que je disais par exemple à l'école. Bon, je le disais pas au prof, ah vous savez pas ce qui se passe, mais je le montrais. Ouais. Tu vois, inconsciemment, tu vois, je le montrais que, bah. Voilà, tu vois, je suis un... Voilà, et donc, moi, j'étais en échec scolaire. Échec scolaire de... Pas tout le temps, à partir de la cinquième, je crois. À partir de la cinquième, pouf. Ah ouais, j'ai tapé. Moi, pour moi, l'école, ça me disait plus... C'est pas que j'aimais pas l'école. Tu préfères rester avec les gars du quartier. C'est que, ouais, même pas, c'est... Ouais, aussi, déjà, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai rencontré des gars... où je me suis attaché. Et même moi, je me suis attaché à... Bah, déjà, tu t'attaches à... Comment dire ça? À une vaine gloire. Comme si tu cherches à être connu, tu cherches à... Bah, tu t'attaches à toutes ces petites choses. Tu avais déjà commencé le rap à ce moment-là? Ouais, déjà, tu touches un bon point. En cinquième, bah, c'est à partir de là que j'ai commencé le rap. D'accord. C'est à partir de là que j'ai commencé le rap. Moi, j'aimais beaucoup le rap. Il y avait des gars autour de moi qui rappaient. Moi, ça me disait... J'aimais bien, mais ça me disait pas de me lancer et tout. Et c'est après, petit à petit, en quatrième, l'année suivante, où là, je commence le rap et tout. Et bah, il se trouve que je suis pas mal dans le rap. Donc, il se trouve que je suis pas mal dans le rap, je suis aligné des mots. Quand je commence à rapper, les gens, ils font ça. Je dis, ah ouais. Quand je commence à rapper, les gens, ils me disent, oh non, t'es chaud, nana et tout. Et donc, petit à petit, bah, on a utilisé le rap.
pour exprimer notre potentiel. Ouais. Moi, j'étais content. J'ai beaucoup aimé le rap. Aujourd'hui, maintenant, je l'aime moins. Avant, c'était un idole. En vrai, c'était une idole. Hein. Ouais, d'accord. Avant, c'était une idole. C'était tout. Je passais du... Toute la journée, j'écoutais du rap. Ouais. Tu vois, c'est... Mon système de pensée même était fondé en fonction de ce que les rappeurs disent. Ouais, tu vois, genre... c'est vrai, je pense comme ça aussi. Tu vois, limite, c'est... c'est pas Dieu, c'est pas la parole de Dieu. En plus, je pense que surtout quand on est jeune, on est dans une phase où on se cherche, on cherche notre identité, et du coup, bah, tu te rattaches à tout ce qui t'est proposé. Exactement. Et donc, quand ça va être le rap, donc la personne qui va dire des choses, bah, tu vas adopter sa manière de penser, sa manière de voir les choses, de voir la vie, en fait. Exactement. Comme t'es vide, tu reçois tout. Ouais. En fait, et on dit que la nature a horreur du vide. Exactement. Et moi, j'étais vide, en vrai. Pourquoi j'étais vide? Parce que quand tu rejettes, entre guillemets, ton foyer, quand tu rejettes ta famille, dans ton cœur, moi dans mon cœur, j'honorais plus mes parents. Tu vois, c'est, j'aimais mes parents, mais je les honorais plus. Ouais, mais pas plus que ça, quoi. Tu vois, pas plus que en ça, gros, ça veut dire que, voilà, tu vois, t'as du mépris. C'est, quand tu penses à ton père, tu ne vois plus comme un super-héros. Ouais. Quand tu penses à ta mère, tu ne la vois plus comme une super-héros. Tu vois, tu... et moi-même, j'étais désolé de ça au fond de moi. Tu vois. Je ne le savais pas, c'est quand je suis venu à Dieu qui m'a montré tout ça. Mais ça se voyait dans mes actes. Ce que tu dis, même un enfant par exemple qui a un échec scolaire, c'est qu'il a plus envie de se battre. Il a plus envie même de... On travaille pas à l'école pour prouver à ses parents, mais d'honorer peut-être l'éducation. De rendre fier ses parents. Et même, tu sais, quand t'as un sentiment d'appartenance à une famille, bah, t'es conscient que dans ma famille, moi, on fait ça. Oui. Tu vois, donc, les études, c'est important. Enfin, je développe mon potentiel, je développe mes compétences, etc. Moi, j'avais plus ça. J'étais en mode, ainsi va la vie. Hein. Jeune, j'avais plus de vision. Moi, j'avais pas de vision. Pas trop d'espoir. J'avais pas de but. Hein. J'avais des petits rêves, mais c'est des petites illusions. Je vais devenir footballeur peut-être un jour. Mais au fond de moi, je sais pas comment expliquer. Au fond de moi, je savais que... Bon, après, tu sais, avec le milieu chrétien dans lequel tu baignes, t'entendais, t'es la lumière du monde. Ouais. Toutes ces choses, donc tu savais au fond, même si tu flopes, vas-y, Dieu, il pourra me... me rattraper. Ouais, voilà, tu vois. Et moi, au fond de moi, je pensais ça. Mm-hmm. Tu vois, au fond de moi, je me disais... Voilà, mais moi, c'était très orgueilleux parce que je me disais... J'étais tombé un peu dans un orgueil où... De toute façon, j'ai pas besoin de la société. Moi, je sais que je vais être quelqu'un demain. Je vais me faire tout seul. Même s'ils nous rejettent, ils aiment pas les noirs, vas-y, c'est pas grave. Ouais. T'inquiète pas. Et on se trouve toutes sortes d'excuses, en fait, à notre malheur, quoi. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Au fond, c'est des blessures. C'est des blessures. Et voilà. Voilà le contexte un peu. Et voilà un peu mon adolescence. Et du coup, donc. Dans cette période d'adolescence, violence, haine, impudicité, drogue, toutes ces choses, est-ce que c'est aussi à cause principalement à cause des fréquentations? Il y a les blessures, mais est-ce que le fait d'avoir eu ces fréquentations, en fait, t'ont poussé encore plus à être dedans? Bien sûr. Moi, je tiens à préciser que moi, par la grâce de Dieu, je ne fais pas de drogue. Ok, d'accord. Non, je tiens à préciser, c'est pas... Bon, après, il y en a qui vont appeler des joints drogue, parce que c'est aussi de la drogue, c'est pas coke, forcément, de la cocaïne, quoi. Oui, c'est vrai que... Tu fumais des joints, hein. Mais non, même pas. Juste cigarette. Franchement, et c'est là, et ça, c'est un bel aspect. Pourquoi? Moi, j'ai jamais... Enfin, ça m'avait jamais rien dit, en fait, là. Tout ce qui est drogue, tout ça. Non, mais c'est vrai que, et c'est là en fait la clé de mon témoignage, la clé où la période où le Seigneur est venu me chercher, c'est que quand j'ai commencé à vouloir rentrer dedans, tu vois, dans tout ce qui est trafic de stupéfiants, parce que je commençais à avoir, comme tu parlais, des mauvaises fréquentations. Ouais. Tu vois, des mauvaises fréquentations où tu grandis, t'as 15-16 ans, il faut faire de l'argent, tu vois. Moi, j'avais même pas ce besoin-là de faire de l'argent, tu vois. Ta famille est pour voir. Ma famille est pour voir. Mon père, il se bat pour, tu vois. J'avais pas ce besoin-là. Mais petit à petit, à force de traîner avec des gens qui vendaient de la drogue, moi, je traînais sur les terrains de drogue, par exemple, tu vois, où il y avait tout le monde qui vendait de la drogue et tout. Moi, j'étais là, mais j'étais juste là, tu vois. Je jouais avec les gens, ça rigolait, ça vannait. Tu vois, je fumais pas. Je buvais pas, moi je suis toujours... voilà, parce qu'au fond de moi, en vrai, j'avais tellement vu dans mon foyer, j'avais vu ce que l'alcool fait. Tu vois, j'avais les répercussions vu les répercussions de l'alcool.
ça m'avait dégoûté. Ouais. Je me suis dit, moi, jamais. C'était un pari que je m'étais fait à moi-même, je me suis dit, moi, jamais. Ouais. Tu vois ? Ouais, parce que de toute façon, dans ce genre de cas, t'as deux solutions. Soit tu répètes, soit tu fais le contraire, en fait. Exactement. Et moi, je me suis dit, moi, l'alcool, jamais. La cigarette, tout ça, jamais. Parce que pour moi, en vrai, c'était ces choses-là qui avaient détruit ma famille, tu vois ? Qui avaient détruit ma famille, donc je m'étais dit, jamais. Non, tu vois, genre... jamais, je vois comment ça a pris mon père, comment ça a eu mon père, jamais de la vie. Tu vas pas refaire la misère. Ah non, je veux pas, tu vois. Et oui, et parce que moi, en vrai, en tant que jeune, je me disais, moi, je veux pas être comme mon père. Moi, c'était un peu ça. Je veux pas faire comme mon père, je veux pas. Tac. Bon, après, ça a créé des choses très mauvaises aussi. Ouais. En moi, où déjà, je déshonorais mon père. La rébellion. La rébellion. Bon, ça va avec exactement, ça. Hein. Exactement. Le déshonor, la rébellion. Où tu t'opposes à ton père. La soumission, oui, voilà. Tu veux montrer que. Exactement. Ou maintenant, dans la maison, il y a deux pères. Il y a deux. Maintenant, maintenant, il y a deux pères. C'est, tu vas où Comment ça, je vais où Comment ça, je vais où tu vois. Bon, après, par la grâce de Dieu, on a grandi aussi dans une famille chrétienne. Donc, ça, j'avais quand même cette crainte de Dieu. Ouais, tu vois quelque part, ouais. J'avais vraiment cette crainte de Dieu. Ma mère, elle nous a éduqués avec ça. Mm-hmm. Tu vois, avec la crainte de Dieu, tout ça. Donc, en moi, il y avait vraiment une dualité. Mm. Tu vois, genre. Tu luttes. Je luttais. Genre, moi, quand j'étais sur les terrains de drogue, tu vois. Et c'est là où je dis que ma vie, elle est un peu marrante parce que. C'est comme s'il y a un rappeur qui dit dans une de ses musiques, il dit je sais pas si c'est la rue qui a c'est moi qui ai pas voulu de la rue ou c'est la rue qui a pas voulu de moi. Ouais. Et moi je crois que c'est ça. Ouais. Moi je crois qu'en fait c'est comme si j'ai l'impression que à chaque fois que j'allais dans c'est là où je dis je savais que ma mère a prié pour moi. Beaucoup, ah bah oui hein. Beaucoup. Ah oui beaucoup. Hein. Elle nous le disait. Ah oh, non mais je sentais que ma mère a prié pour moi. Elle est en train d'intercession dans le combat spirituel. Des combats. Combat spirituel. Ah, déjà, tu rentres à la maison, tu vois un livre rouge. Prière, j'ai dit, ah ouais. Hey, c'est moi le démon à la maison. Mais tu vois, je savais qu'elle priait pour moi. Tu vois, je savais qu'elle priait pour moi. Moi, j'ai commencé, voilà, je parlais de l'échec scolaire. J'ai été viré de deux collèges. Et du coup, est-ce que quelque part, t'avais aussi ce sentiment de culpabilité en disant, bah, je suis la honte de ma famille, en fait. En gros, je suis le petit canard, en fait. Ouais, est-ce que grave, grave. Grave. Moi, j'avais honte. La vérité, c'est que j'ai grandi dans la honte, tu vois. Et même, par exemple, aujourd'hui, témoigner, tu vois, c'est la preuve que Dieu libère de la honte. Amen. Tu vois, parce que yes. Ah, Dieu, il libère de la honte. Wow. Moi, par exemple, pendant longtemps, même quand je suis venu à Christ, il y avait des choses, mon témoin, je ne voulais pas dire. Ouais, parce qu'il y a ce processus de restauration. Ce truc de honte, purée, mais la honte dans ma famille, il y avait ça quand même et tout. Ouais. Pendant longtemps, tu t'es caché de ça, tu vois. Pendant longtemps, tu t'es caché. Mais c'est là où Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est là où Dieu veut montrer qu'il est capable de prendre une vie brisée et la restaurer, tu vois. Amen. Pour en faire lui-même maintenant quelqu'un qui aide, qui console. Tu vois, parce que. Quand tu vis des afflictions et que Dieu te console, bah, tu peux maintenant consoler les autres, tu peux maintenant les aider, tu sais par quoi ils passent. Yes. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, alors, et ce 31 décembre 2014, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 31 décembre 2014. Bah, en fait, comme je te disais, voilà, je rejoins une famille chrétienne, tout ça et tout. Et là, pour expliquer ça, je vais aller rapidement en juin 2013, parce qu'en juin 2013, j'arrive dans une église en juin 2013. Déjà, j'étais dans une époque où j'étais down, j'avais des problèmes avec la justice. J'avais des problèmes avec la justice. C'était compliqué. Et moi, j'avais dit à Dieu, moi, stop. Enfin, là, je choque ma vie, ça commence à être vraiment bizarre. Tu vois, et même, je me reconnais plus. J'avais juré à ma mère, ah, vas-y, j'arrête certaines choses. Je me retrouve dans des choses encore pires. Ouais. Je me dis, c'est quoi ce délire et tout, tu vois. Je traîne avec des entre guillemets, je pourrais même pas dire des mauvaises compagnies. Voilà, c'est pas de mauvaises personnes, c'est des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, ouais. Avec des mauvaises compagnies qui n'augmentent pas le bien en moi, mais qui m'aident pas en vrai à être... À t'améliorer, ils te tirent plus vers le bas que vers le haut, quoi. Exactement. Donc en juin 2013, j'arrive dans cette église-là et je rencontre le Seigneur, pour dire. Le pasteur, il parle et là, j'entends la voix de Dieu et tout... Genre, c'est la première fois de ma vie, j'entends Dieu parler au travers de... C'est quoi ce délire? Je suis où et tout, tu vois? Pourtant, je suis né dans une famille chrétienne et tout. Mais c'est la première fois où... C'était une expérience personnelle que tu faisais. Genre, je me dis, wesh, c'est quoi ce truc? Et on me dit, prier et tout. Bon, je commence à prier. Et là, je pleure, je me mets à pleurer et tout. Comment ça, je pleure? Et donc, voilà, je suis un peu dans ce contexte, dans ce contexte-là. Et 2013... Donc, le Seigneur me touche en juin 2013. Voilà, j'arriverai, je fais rapidement. Juin 2013, le Seigneur me touche. Et jusqu'à décembre 2014, en fait, je résistais à Dieu. Ouais. Tu vois, je me résistais.
parce que je savais que Dieu m'avait... J'avais rencontré la lumière, tu vois, genre... Je peux pas faire genre, en fait. Je peux pas faire genre. Je savais que j'avais expérimenté Dieu. Tu vois, je savais qu'il y avait quelqu'un là-haut qui attendait que je lui donne ma vie. Je le savais. Tu vois, je le savais. Parce que j'ai vécu une expérience assez quand même... qui m'a quand même frappé. Où, bah, dans cette église, en fait, quand le pasteur prie pour moi, c'est comme si, en fait, j'ai vu une grande lumière et une main venir me chercher. Et j'étais par terre, je croulais sous la puissance de Dieu. Moi, je me suis dit, déjà, moi, je croyais pas trop à ces trucs. Quand j'ai parlé en langue et tout, tu vois, tu connais, on était déjà. De gars, wesh. Tu pars un peu, là. Genre, je voyais les gens tomber à l'église, je me suis dit, wesh. J'abuse aussi. Ah, c'est toi qui disais ça. J'étais là, par terre, je pleurais, j'ai dit, hey. Et je savais que j'avais expérimenté Dieu. Et donc, 2013. Et donc, c'est là en 2013. Et donc, jusqu'à décembre 2014, donc tu luttes encore un peu avec Dieu. Exactement, je lutte avec Dieu. Et là, décembre 2014, tu connais, c'est le 31. On cherche une soirée. Avec les potes, moi, tous mes gars, ils m'appellent. Ouais, Samuel, parce qu'ils savaient que moi, j'avais des soirées et tout. Je connaissais un peu pas mal de gars. Ouais, et tout. Mais là, cette année-là, je vois. J'ai pas de contact, j'arrive pas à trouver de soirée. Ouais. Je dis, c'est quoi ce délire? Non, moi j'appelle et tout, ça vient direct. Comment ça, j'arrive pas à trouver de soirée? Et je me disais, comment ça, j'arrive pas? Et déjà, ça brisait mon orgueil. Comment ça, genre, bah oui, comment ça, toi? Comment ça? Mes potes m'appellent, ils me disent, wesh, t'as pas de soirée? Comment ça, je peux de soirée? Et là, au final, on termine dans une soirée chez une fille. Et on arrive dans cet appartement. Déjà, c'était pas le genre de soirée que moi je kiffe. Parce que moi, j'étais un gars, j'aimais la fête, danser. Tu vois, moi, je me disais, il va avoir des meufs. Tu vois, c'était comme ça, c'était ça notre mentalité. Bien sûr. Il va avoir de la meuf, tout ça. Il va avoir de... J'arrive dans une soirée. Je pense pas qu'il n'y a pas de filles, tu vois, mais. Ouais. Ça craint un peu. Mais voilà, c'était pas mon genre. Ouais. Hein, c'était pas mon genre. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Et il n'y a pas de musique. J'arrive, tout le monde fume un peu. C'était des ambiances en mode fumette. Et tu vois, les ambiances bad là. On est le 31 décembre. Hein? Tu vois, la nourriture, personne mange. Et moi, j'arrive dans cette soirée-là, je me dis, bon, c'est pas grave, moi, tu me connais, je vais ambiancer. Ouais. Je suis là, j'ambiance et tout. Et en gros, il se passe quelque chose dans cette soirée-là. C'est que, à un moment, ça s'ambiance et tout. Et la soirée, elle se coupe. Parce que la fille qui organise la soirée, elle fugue, elle part, elle dit qu'elle a envie de se suicider. Et ouais. La fille organise la soirée, où il y a l'appartement. Elle-même. Elle part, elle fugue, on commence tout ça à chercher, tout le monde éteint la musique, on la cherche. Oh, elle est où, tout ça? Moi, j'étais là, j'avais le seum. Vas-y. Je m'assois sur un fauteuil. Ouais. Je m'assois et tout, je regarde les gens, je vois tout le monde. C'est comme si j'ai vu la pièce comme je la voyais. T'as vu une autre réalité, en fait. J'ai vu les gens dépressifs, déprimés. Wow. J'ai vu, et c'est comme si, et là, une voix m'a dit, c'est cette vie que tu veux mener. J'entends, c'est cette vie que tu veux mener. Regarde. Et c'est comme si je vois la fille, et en fait, c'est là où j'ai compris le monde spirituel. Où c'est comme si cette fille-là, j'ai su que, parce que je savais qu'elle avait pas de papa et tout, donc c'était compliqué. Ouais. Et j'ai su que cette fille-là, en fait, il y avait des voix qui lui parlaient. Et là, c'est comme si la voix me dit, c'est cette vie que tu veux mener. Une vie où tu subis. Vraiment, une vie où tu subis. C'est ça. Vraiment. Et là, dès que j'ai entendu cette voix, ça, je me suis dit, ma vie, elle doit changer. Mais, c'est-à-dire, un instant, j'ai dit, non, ma vie, elle doit changer. Wow. Ma vie, elle doit changer. Et donc, à partir de là... Ça a été l'électrochoc, Ça a été l'électrochoc. Jusqu'à, je me souviens, j'ai appelé une fille avec qui j'étais à l'époque. Mais on était en pause, tu connais les trucs, les relations toxiques, les trucs bizarres là, tu vois. J'appelle, je dis, ouais, c'est bon, j'ai changé. Je dis ça. Je dis, j'ai changé, c'est bon. J'ai changé, moi, je change de vie. Elle comprend rien. Mais moi, je parlais comme ça. Et en vrai, quand j'y repense, je me dis, j'étais fou. J'étais joyeux, je sais pas comment l'expliquer. Je dis, ouais, c'est bon, j'ai changé. Elle me dit, oui, mais ça veut dire quoi? Ouais, mais j'ai changé et tout. Et je raccroche. Et à partir de là, je me suis dit, ma vie doit changer. Je sens que ma vie va changer. Et donc après, c'est là où. Où janvier 2015, j'arrive dans cette église. C'est ta maman encore qui t'invite, qui te dit. C'est ma maman, c'est notre maman qui nous tire. Merci maman, vraiment. C'est notre maman qui nous tire dans une église parce qu'on était comme on avait déménagé, on n'avait plus d'église locale. L'église locale. Mm-hmm. Donc on cherchait une église locale. On arrive dans cette église
Et moi, j'aime énormément. J'aime énormément la louange et tout. Je me dis, waouh, c'est pas comme dans mon style d'église et tout, c'est trop bien et tout. Et la groove ici. Ouais, il y avait le truc, tu vois. Il y avait le truc et tout. Et j'écoute le pasteur. Et là, deuxième fois que ça me le fait. Mais là, c'est comme si j'étais assis, il n'y avait plus personne, et là, Dieu me parle. Wow. Mais ce qui m'a marqué, en fait, ce qui m'a marqué, en fait, le plus, c'est que c'est pas tant le message qu'il disait le pasteur. C'est plus la vie qu'il vivait. Mm-hmm. C'est ça qui m'a marqué. Mm-hmm. Parce qu'en fait, son message, c'était son témoignage. Mm-hmm. Il racontait un peu, c'était un peu les cultes d'Action Grâce début d'année et tout. Oui. Donc, il racontait un peu comment ça s'est passé et tout. Et à un moment, il dit une phrase, il dit, j'étais dans ma voiture avec ma fille, et là, le Seigneur m'a dit. T'as dit comment ça dit? Comment ça le Seigneur lui a dit? Je sais pas, ça fait ting. Ouais. Comment ça le Seigneur lui a dit? Et moi, je dis, je suis chrétien depuis. Ouais, le Seigneur m'a pas dit depuis. Comment ça le Seigneur lui a dit? Comment ça Dieu lui a dit? Je savais que Dieu parlait aux gens, tu vois. En vrai, je crois que Dieu m'avait déjà parlé. Tu vois, je pense. Tu ne réalisais pas trop. Voilà, je réalisais pas, j'étais pas conscient, mais je suis sûr. Et d'ailleurs, je sais que Dieu me parlait avant, mais j'étais pas conscient. Mais ce qui m'a marqué, c'est la relation qu'il avait avec Dieu. Wow, yes. Et je me suis dit, waouh. J'ai vu même son humilité, j'ai dit, waouh. Comme j'ai regardé, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux. J'ai dit, moi, je vais être un ami de Dieu. Yes. Je veux le connaître. Tu vois, je veux m'engager avec lui. Et là, il parle et tout. Il prêche. Et à la fin, il dit, bon, les personnes qui veulent recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie et tout, je dis, waouh. Ça, c'est pour les gens qui sont pas allés à l'église. Non, depuis des années. On a chanté à l'église. Enfin, moi, j'ai un enfant qui servait Dieu à l'église, tu vois. Genre, parce que le salut est personnel. Hein. Exactement, tu vois. Mais j'étais pas engagé avec lui. Ouais. J'avais pas mon cœur tout entier à Dieu. J'étais pas. Un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Si je mourais là, je pouvais pas. Tu pouvais pas dire j'allais que... aller au ciel, mais... frère. Pas sûr, hein. Mon gars, j'avais pas l'assurance du salut. Non, j'avais pas l'assurance du salut. Ouais. Et là, il fait l'appel au salut. Et là, mon cœur commence à battre. Je me dis, c'est quoi ce délire? Et là, il y a ma famille assise à côté de moi. Il y a ma famille à côté de moi et tout. Mon cœur, il commence à battre. Je me dis, wesh. Il bat. Et là, au moins, il dit, peut-être que tu es à l'église, mais tu l'as jamais dit. Ouais. Tu l'as jamais donné ta vie. Ouais. Quand il a dit ça, j'ai dit, waouh. J'avoue que j'ai jamais donné ma vie à Dieu. J'ai jamais reconnu comme sauveur. Moi, j'ai jamais confessé ça de ma bouche. Mm-hmm. Et là, mon cœur, il bat. Et là, j'ai une vision où je me vois me lever. Mais c'est comme si je voyais toute ma famille et je voyais des liens qui nous attachaient. Tu vois? Et là, c'est comme si moi, je me vois me lever. Et c'est comme si, genre, je suis toujours attaché. Mais ces liens, ils disparaissent pas. Mais c'est comme si je sors. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si... Dans la vision, je suis sorti de ma famille. Mm-hmm. Genre, c'est là où je suis sorti. Mm-hmm. Et je me dis, ok, je crois que je dois me lever. Et la voix, elle me dit, là, c'est plus toi, c'est plus ta famille. C'est plus ta famille chrétienne. Là, c'est plus ça. Mm-hmm. C'est toi et moi. Toi et moi, waouh. Je me lève. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, ma famille et tout. Ouais, souvent, ça, c'est ce que je pensais. Ouais, tu vois, tu connais les pensées quand le pasteur et tout. Et lui-même, le pasteur, il sait, donc il nous exhorte, il encourage et tout, il attend. Et là, je sens la lutte, je me lève. Je dis, Seigneur, c'est bon. Et là, je fais la prière. Et dès que je fais cette prière, j'ai su. J'ai su que j'étais né de nouveau. Waouh, yes. J'ai su que... C'était ça en fait la nouvelle vie que je voulais. C'était ça en fait le truc depuis. Je me disais, il faut que ma vie change. Je sentais. Et c'est après par la suite que j'ai appris que le Seigneur enfin me cherchait. Il voulait m'emmener à la repentance, la métanoïa, tu vois. J'ai dit, waouh, purée. Et la petite, ce qui est drôle, c'est que j'arrive et on me félicite, les gens me félicitent, tu sais, les gens sont contents et tout. Et on me donne une Bible. Et la dame qui me donne la Bible, c'était une dame qui était dans mon ancienne église. Ah ouais? Ouais. Et elle me donne la Bible. Elle m'a connu quand j'étais comme ça. Elle me donne la Bible. Et là, quand il me donne la Bible, c'est comme si moi je la connais, mais je ne l'ai pas vue comme je l'ai connue avant. Oui. C'est comme si mes yeux sont ouverts sur le monde spirituel et je l'ai vue comme un ange. Wow. Ouais. Je l'ai vue, mais j'ai su que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Et c'est comme si là, le Seigneur, en fait, le Saint-Esprit en moi m'enseignait, elle est née de nouveau. Là, tu as vu son esprit. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Et après, elle me dit, félicitations, tu es devenu chrétien.
Et là, il y a ma mère qui dit, non, mais il est chrétien depuis. Ouais. Et là, je dis, regarde ma mère, je lui dis, non. C'est maintenant que je suis chrétien. Ouais. Wow. Je lui dis ça, je lui dis, non, là, c'est là que je suis chrétien. Il a dit, oh, félicitations, il m'a emmené et tout. Là, je me dis, wow. Et à partir de là, ma vie, pouf. Ça y est. Ah, c'est fini. Waouh. À partir de là, voilà. Waouh. À partir de là, le Seigneur a fait grâce et il est avec nous et c'est juste incroyable. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie en Christ, c'est la meilleure des vies sur la terre. La meilleure des vies. Des vies sur la terre. Amen. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. Mmh. Et à toi qui me regardes, peut-être que toi, si tu as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu as grandi dans la religion, tu sais que Dieu existe, tu sais que Jésus existe, mais tu n'as pas de relation personnelle et intime avec Dieu et tu veux véritablement faire sa rencontre. Tu veux véritablement faire partie de la famille de Dieu et naître de nouveau. J'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui de prier avec moi et d'inviter Dieu dans ta vie, Amen. De véritablement te détourner de ton ancienne vie pour le suivre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu vas tout simplement fermer les yeux là où tu es et tu vas répéter à voix haute cette prière et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Je crois aussi que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Change ma vie. Transforme-moi. Libère-moi. Je crois qu'à partir de cet instant, tu as effacé mes péchés. Je nais de nouveau et je deviens ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo et félicitations. On t'acclame à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dieu est un père, Dieu est un ami, Dieu est ton meilleur ami, un confident. Tu peux lui parler avec ton cœur. Ça ne sert à rien de répéter des prières que tu as déjà entendues, que tu connais par cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle-lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais-lui juste confiance, tu vas voir que des choses extraordinaires vont changer dans ta vie à partir de cet instant. Dieu est celui qui change les vies, Amen. Qui change les cœurs, qui bouleverse les mentalités. Amen. Fais-lui tout simplement confiance et sache qu'il t'aime énormément. Amen. En tout cas, merci beaucoup Amen. Pour merci. Ce témoignage. Je crois que ça va véritablement toucher des vies. Amen. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce témoignage peut parler, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous aussi, vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.